Bon matin à toutes et tous. Je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et tous. On se retrouve, eh bien, pour la dernière semaine de ce mois de décembre et de cette année. Nous sommes le 25, lundi 25 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère aussi que vous avez passé un joli week-end et que vous avez passé un joli réveillon de Noël dans la joie, la gaieté, l'amour, en famille, voilà, avec vos amis. J'espère que vous avez passé de bons moments. Alors, je m'excuse de ma voix, mais bon, je suis un petit peu enrouée aujourd'hui. Donc, vous m'excuserez, mais voilà. Alors, avant de commencer, eh bien, je mérite de vivre dans l'abondance. Mais oui, vous méritez de vivre dans l'abondance. Donc, on va répéter 3 fois. Je mérite de vivre dans l'abondance. Je mérite de vivre dans l'abondance. Je mérite de vivre dans l'abondance. Et on dira aussi, je suis la santé parfaite. Je suis la santé parfaite, je suis la santé parfaite, je suis la santé parfaite. On termine avec les archanges, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai pigé Claire Connaissance. Et c'est l'archange Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Pour certains d'entre vous, n'est-ce pas? Encore une fois, je vais répéter, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Prenez vraiment, soyez à l'aise pour prendre ce qui vibre en vous. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez peut-être prié pour recevoir des réponses à vos questions. Eh bien, elles vous sont parvenues sous forme de pensées répétitives, vous incitant à entreprendre des démarches et à effectuer des changements sains. Vous savez, quand moi j'ai une question et que je ne parviens pas à avoir la réponse, eh bien, à un certain moment, il y a une pensée qui vient à moi, et cette pensée, elle est répétitive, c'est toujours la même pensée que j'ai. Eh bien, cela veut dire que c'est ça ma réponse. Donc, peut-être que vous, ça a été la même chose. Ne sous-estimez pas vos pensées et ne les prenez pas pour de simples rêves ou connaissances générales. Vous savez, vos pensées sont réglées à de hautes fréquences en ce moment et elles constituent des inspirations dignes de confiance. Alors, toutes les grandes inventions, les nouvelles entreprises et les enseignements découle de cette même source de sagesse universelle. Et actuellement, eh bien, pour certains d'entre vous, vous êtes connectés à cette sagesse divine. Et il est important que vous remarquiez et enregistriez, eh bien, toutes les pensées qui viennent à vous. Et ensuite, agissez suivant ces réponses à vos prières, n'est-ce pas? Oui, on est connecté, c'est la période pour la connexion, puisque nous sommes le jour de Noël, n'est-ce pas? Alors, travaillez avec l'archange Uriel. Le nom Uriel, il signifie la lumière de Dieu. Waouh! La lumière de Dieu.
Eh bien, Uriel est reconnu pour sa capacité d'éclairer les esprits de l'inspiration divine. Et quand il vous faut des réponses, n'est-ce pas, ou des idées, mais n'hésitez pas, faites appel à Uriel. Il répond à quiconque qui fait appel à lui. Vous saurez que Uriel vous a répondu quand vous aurez des pensées ou des idées répétitives qui sont positives, aimantes et utiles. Alors, si vous avez un urgent besoin de renseignements, par exemple, allez, je vais prendre comme lors d'un examen ou d'une réunion importante, eh bien, ce bel archange Uriel vous fournira l'information, si vous lui demandez encore une fois. Quand vous lui aurez demandé de l'aide, la réponse, eh bien, elle surgira dans votre esprit. Et surtout, surtout, fiez-vous à l'information qu'il vous donne, parce que ça sera la solution. Quel beau message pour ce 25 décembre, n'est-ce pas? Alors, je termine avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Et aujourd'hui, je m'excuse, hein, j'ai pigé la carte du goût. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce que vous avez perdu le goût de vivre? Ou, pour d'autres, êtes-vous boulimique ou anorexique? Est-ce que vous vous accordez assez de temps pour profiter des plaisirs de la vie? Êtes-vous allergique à de nombreux aliments, peut-être, pour certains? Avez-vous du mal à trouver votre place sur cette terre? Est-ce que vous avez la possibilité d'exprimer librement, eh bien, vos sensations, vos émotions, sans chercher à répondre aux désirs des autres? En voilà bien des questions, n'est-ce pas, que pour certains d'entre vous, vous devriez vous poser. Et la petite prière pour guérir, n'est-ce pas? Et oui, il y a une prière pour guérir de tout cela. Mes anges, merci de me laisser goûter à tous les plaisirs de la vie et d'en apprécier la substance à chaque instant. Rappelez-moi la saveur des aliments. Rappelez-moi que chaque baiser déposé sur ma bouche est une invitation à aimer et à être aimé. On va répéter 3 fois. Je suis le goût, je mérite le goût. Je suis le goût, je mérite le goût. Je suis le goût, je mérite le goût. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël et je vous souhaite une excellente journée et que la magie opère, n'est-ce pas? C'est tellement un magnifique moment. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien au moral. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je m'excuse encore pour la voix, parce que bon, je suis un peu enrhumée. On se retrouve demain, évidemment, avec un nouveau message d'un archange. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous dans la douceur de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. À demain.